l'association Planète Handisport qui organise un week-end Coupe de France et initiation. Donc aujourd'hui c'est la Coupe de France avec deux disciplines, le slalom et les figures. Et demain, ça sera une journée d'initiation ouverte à tous, tout type de handicap, et toute la journée pour faire découvrir un peu ce nouveau sport de glisse. Voilà, c'est un sport qui a 4-5 ans d'existence. Et bon, en compétition, aujourd'hui, donc, on est 8. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est difficile et que. Alors que bon, mais ça l'est pas du tout. Le plus dur, c'est de sortir de l'eau. Et après, une fois qu'on est sorti de l'eau, c'est une activité qui est plus facile que le ski alpin pour essayer d'avoir une référence, une comparaison. Je pense que ça va se développer énormément. On a un très bon niveau en France. Et puis bon, on attend que ça, qu'il y ait du monde de la concurrence. Les personnes déficientes visuelles, amputées, bras et jambes, vont skier debout, donc avec un matériel classique, peut-être un peu plus large des débuts pour avoir un peu plus de stabilité. Et en ce qui concerne les personnes qui doivent skier en assis, donc voici un peu le style de matériel, c'est-à-dire une planche. Donc il y a deux styles de planche. La planche qui est longue, c'est un ski de slalom. La planche qui est un peu plus courte, c'est un wakeboard. Donc la planche bleue et noire, c'est un ski de slalom. Et la planche qui est juste à côté, à gauche ou à sa droite, ce sont des wakeboards sur lesquels on adapte une assise. Pour pouvoir s'asseoir dedans et skier sur la planche. Les figures, ça va être le wakeboard, donc c'est beaucoup plus de liberté. Pour pouvoir s'amuser au début à faire des glissés, donc aussi bien des dérapages que des 180 ou carrément des 360, voire plus. Donc ça va être un wakeboard sans dérive, ça fait qu'il n'y aura pas d'accroche dans l'eau, on va pouvoir, ça s'appelle une savonnette en fait, on va pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Après, il y a ceux qui prennent leurs pieds à aller chercher les bouées à droite, à gauche, eux vont préférer avoir un ski slalom un peu plus long, avec une dérive qui va leur donner une bonne stabilité en virage et une bonne accroche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lâcher un bras à un moment donné, il y aura une bonne accroche, il n'y a pas de problème, etc. De l'autre côté, donc c'est vraiment deux disciplines séparées. Il y en a une troisième, donc on n'a pas le matériel ici, qui est le saut, où c'est encore un ski qui va être un peu plus long que le ski de slalom. Et bien en France, apparemment, on est l'année dernière, il y a eu 70 licenciés, loisirs principalement. On n'est que 8 vraiment compétiteurs ardus en compétition. À force d'avoir des initiations, on va grandir tout doucement. Donc c'est le travail actuel.